国人葛影峰以他在台湾和法国的生活为题材，创作出数个长篇系列的新版画。他是怎么看台湾的？拿起手机就可拍照的年代，为什么还要提笔作画？J'ai commencé, c'est vrai, très tôt à dessiner quand j'étais, quand j'étais étudiant et même bien avant, quand j'étais enfant. J'étais initié à la technique du dessin d'après nature. Et puis, très rapidement, je me suis lancé dans la ville pour dessiner ce que je voyais. Donc le dessin et le croquis, l'art du croquis, a été très vite important pour moi.Comme la source de quelque chose, une manière de transposer la réalité qui m'environnait sur le papier. C'était très important d'abord parce que c'était un exercice du regard et un exercice de la main. Mon esprit pouvait avoir prise sur la réalité que je voyais, au point de la transformer. C'est pour ça que le croquis, même si c'est...une technique très, très ancienne, il a l'avantage sur le téléphone portable parce que le téléphone portable ne peut photographier que ce qu'on voit. Quand on fait un croquis, on peut supprimer, on peut modifier, on peut faire intervenir notre pensée sur le réel. Ou je dégomme en quelque sorte les voitures qui sont devant le temple, ou bien le croquis, quand on dessine, n'a pas la même agressivité que l'appareil photo ou que la caméra. Les gens ne se sentent pas agressés quand on dessine ou quand on fait des croquis. Au contraire, ils sont plutôt curieux, ils ont envie de voir. Si bien que, par exemple, j'ai dessiné dans des sources chaudes des gens qui étaient nus, il aurait été tout à fait impossible de prendre en photo leur intimité. En dessinant, ça pose aucun problème.Mais l'événement qui a fait que j'ai pratiqué de manière quotidienne le dessin, c'est que je me suis amusé pendant un an, tous les jours, c'est-à-dire 365 jours de l'année, à dessiner et envoyer un dessin sur un blog à des amis avec un petit commentaire. Ce que je sélectionnais dans la réalité, c'était ce qui me paraissait le plus taïwanais.Donc ma pratique du dessin, c'était une pratique d'épuration. Je sélectionnais l'identité de Taïwan à travers mes dessins pour les montrer à des amis, pour leur expliquer un petit peu ce que je vivais, dans quel pays je vivais, quel est le rapport entre le croquis et la gravure. Eh bien, c'est que la gravure, elle se prête bien à la transposition du trait.Les croquis parfois sont sales, sont laids. Ce n'est pas destiné à être montré forcément. On décide de monumentaliser un croquis, de le rendre présentable pour les autres. Et la meilleure technique pour rendre le dessin, pour moi, la meilleure manière de rendre le croquis, c'est la gravure. Donc je les pratique tous les deux. Elle consiste à appliquer sur une plaque de métal une fine couche de vernis.À dessiner dessus un motif en retirant le vernis du motif et en plongeant la plaque dans un bain d'acide. On creuse un sillon dans lequel, après essuyage, on va appliquer de l'encre. L'encre va rester dans ce sillon-là et en plaçant la plaque sous presse,on va pouvoir faire un tirage sur papier de cette plaque de métal. Et ça fera c'est ce qu'on appelle l'impression. Le fait que je sois étranger à Taïwan me permet probablement de voir des choses que des Taïwanais eux-mêmes ne voient pas parce qu'ils sont habitués à voir ces choses-là.Et il y a des détails qui vont m'interpeller, qui vont me troubler. J'ai commencé à m'intéresser aux pelleteuses,
au Guaisho, à peu près en 2010. Parce qu'à cette époque-là, le gouvernement, à l'occasion du Festival international des fleurs, avait décidé de supprimer plusieurs centaines de bâtiments vétustes dans Taïwan. Donc c'était une opération immobilière colossale et on voyait fleurir, pas seulement des fleurs, mais aussi ces pelleteuses, ces guaisho dans toute la ville. À cette époque-là, je confondais guaisho et guaisho. Et donc ces pelleteuses ont pris un sens un peu fantomatique. C'est pour ça qu'elles sont devenues pour moi un peu spectrales et c'est pour ça que je les ai appelées des pelleteuses spectrales. Et puis, une autre confusion de langue a provoqué une association d'idées. C'est que les pelleteuses étaient toutes des pelleteuses japonaises de marque Komatsu. Et donc, Komatsu, pour moi, me faisait penser à la déesse Matsu. Et donc, c'était comme si c'était des organes associés à cette déesse-là. Et j'ai commencé à dessiner un godet avec une petite fille. Et j'ai métamorphosé cette petite fille en la déesse Matsu. Et du coup, toutes ces pelleteuses que je voyais, je ne voulais pas nécessairement faire une dénonciation de l'opération immobilière, ça ne m'intéressait pas tellement, mais j'y voyais au contraire quelque chose de sacré, mais pas au sens religieux du terme, plutôt au sens de Roger Caillois. Il définit le sacré comme ce qui donne la vie et ce qui reprend la vie. Et les guaisho, c'est un petit peu pareil. C'est ce qui détruit, mais c'est aussi ce qui construit de cette destruction perpétuelle qui est à l'œuvre dans les sociétés humaines et de ces constructions qui ont besoin, de manière un peu dialectique, de la destruction. Destruction et construction vont en quelque sorte de pair.